Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la magie des cartes. Un jeu de 52 cartes, avec des figures, des cartes à points, des jokers. Tenez, on va utiliser les jokers aujourd'hui, c'est très sympa, j'aime bien, vous savez pourquoi? Ce sont des cartes qui remplacent n'importe quelle autre carte, et ça vous le savez. Les jokers vont dans un instant me servir, mais pour le moment, je vais utiliser une autre carte. Bah, tenez, on va prendre une carte noire, c'est pas mal. D'accord, et les autres cartes, je n'en ai plus besoin. C'est très simple, on va glisser simplement le 8 de trèfle entre les deux jokers. Comme ceci. Joker. 8 de trèfle. Joker. Ok? Restez bien scotché devant votre écran, car dans un instant, ce que vous allez voir n'est autre qu'une illusion. Vous êtes prêts? Restez bien les yeux devant l'écran, je vous aurais prévenu. Petit mouvement magique. On commence à secouer. Encore. 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 Ça y est, stop. C'est fait. Regardez. Maintenant, le 8 de trèfle s'est transformé en dos rouge. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. Magique, hein? 8 de trèfle transformé. La carte qu'on a choisie. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller beaucoup plus loin. Non plus avec les jokers, mais avec le 8 de trèfle. Simplement, en frottant cette carte contre le tapis, ou sur une matière un peu plus claire, pour transformer le 8 de trèfle, eh bien, à dos rose. À dos rose. Bien. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec une carte maintenant à dos rose? Bah, c'est sûr, pas grand-chose. Ce qui sera intéressant, c'est de faire ce petit geste. Et là, tout le jeu devient rose, cette fois-ci à son tour. Alors là, ce qui m'ennuie maintenant, c'est... Qu'est-ce que je fais avec l'étui? Ouais, il va falloir que je m'achète un étui rose. Ok, super. Voilà, bah, j'espère que cet effet vous a plu, mes amis. C'est un effet que j'ai trouvé sur Internet il n'y a pas longtemps. C'est un super effet. Je remettrai dans la description le lien et puis le créateur. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, laissez-moi un message. Vous savez, vous connaissez la chanson. Et pour les tous et les nouveaux, abonnez-vous parce que j'ai plein de playlists sur la magie des cartes, la magie des pièces et plein de choses autres. Donc, profitez-en. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao les amis.